Alors, le philosophe qui va maintenant nous intéresser, c'est Épicure. Donc, Épicure, c'est un philosophe grec, né à Samos. Donc, vous voyez, Samos, c'est ici. Et donc, il est né en moins 341, et il est mort en 270. Vous voyez, donc, il se situe entre, en gros, Aristote et Lucrèce. Donc, Épicure, il est ici. Alors, Épicure, il vit dans une période assez troublée, Puisque dans la période durant laquelle il vit, euh, il assiste à la mort d'Alexandre le Grand, et à une période vraiment de crise pour euh, la Grèce antique. Alors durant cette période de crise, il se met à étudier la philosophie à l'âge de 14 ans, et les premiers philosophes qu'il étudie, ce sont des philosophes platoniciens. Ensuite, lorsqu'il a un peu fait son opinion, qu'il a étudié différents philosophes, etc., il achète un jardin, et il fait son école dans ce jardin, et c'est pour ça que l'épicurisme s'est connu en philosophie sous le nom de l'école du jardin. Donc l'école du jardin. L'école du jardin, lorsque vous entendez ça, ça veut dire que c'est l'épicurisme. L'épicurisme. Et donc l'épicurisme, comme son nom laisse entendre, c'est la doctrine d'Épicure. Donc nous, ce qui va nous intéresser... Plus précisément maintenant, c'est la doctrine d'Épicure concernant l'éthique, concernant la morale. Comment être heureux pour Épicure? Donc, comment être heureux, il le décrit dans une, dans une œuvre qui s'appelle La lettre à Ménécée. La lettre à Ménécée. Et dans cette œuvre, il va détailler différents points notamment comment éliminer les angoisses, les peurs inutiles qui encombrent notre vie. Et donc il y a notamment deux grandes angoisses qu'il est nécessaire d'éliminer. Donc deux grandes angoisses qui sont la peur des dieux et la peur de la mort. Donc les dieux et la mort. Alors comment ne pas craindre les dieux et comment ne pas craindre la mort Pour Épicure, les dieux ne sont pas à craindre parce qu'ils ne s'intéressent pas aux occupations des mortels, et donc ils ont autre chose à faire, en gros, que de s'intéresser à nos vies, et donc il n'y a aucune raison de craindre finalement qu'ils s'acharnent sur notre sort ou qu'ils décident finalement de la... de... du déroulement de notre vie. Donc les dieux sont, sont trop occupés, sont trop puissants et n'ont finalement rien à faire de la vie des mortels. La mort, pour Épicure, nous n'avons pas à la craindre parce que, euh, c'est un raisonnement assez logique, lorsque nous sommes en vie, nous ne sommes pas morts, et donc la mort est quelque chose d'étranger pour nous, et lorsque nous sommes morts, nous cessons de penser, nous cessons d'avoir des sensations, et donc nous ne pouvons pas souffrir de la mort, puisque nous n'avons plus de souffrance lorsque nous sommes morts. Donc ça, on le verra dans une autre vidéo, ça, ça, ça demande un peu de comprendre le matérialisme d'Épicure, puisque pour Épicure, tout est fait de matière, et donc à partir du moment où nous mourons, notre âme... Elle n'est pas immatérielle, elle est matérielle, et donc elle se désagrège en même temps que notre corps, et nous cessons complètement d'exister. Il n'y a pas pour Épicure de vie après la mort, et donc de souffrance après la mort. Donc une fois qu'on a résolu ces deux grandes angoisses, ces deux grandes peurs, la peur des dieux et la peur de la mort, on peut s'intéresser à la question de savoir comment vivre notre vie. Quels sont les buts de notre vie Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans notre vie pour être heureux Et pour Épicure, pour être heureux, il faut nécessairement s'intéresser aux plaisirs et aux désirs, mais il faut bien faire attention parce qu'il ne faut pas rechercher tous les désirs et tous les plaisirs. Donc les plaisirs et les désirs, c'est vraiment une question très très importante pour Épicure, les plaisirs et les désirs, mais il faut bien les sélectionner. Et donc comment les sélectionner Et donc Épicure fait une distinction entre trois types de désirs, donc trois désirs principalement. Les désirs naturel et nécessaire, naturel plus nécessaire, par exemple, c'est simplement boire, manger, dormir, vous voyez les choses essentielles à la vie, donc euh, vraiment le plus basique, c'est-à-dire à ce stade-là, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de sélection vers par exemple une boisson en particulier, etc. C'est vraiment, pour ainsi dire, un besoin. Ensuite, il y a les désirs naturels et non nécessaires. Donc naturel plus non nécessaire. Et donc ces désirs naturels mais non nécessaires, ça va être par exemple des choses qui sont essentielles à la vie mais avec une préférence. Donc par exemple, euh, c'est essentiel à la vie de boire, mais c'est pas essentiel à la vie de boire une boisson en particulier. Par exemple du coca ou de l'ice tea ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire à partir du moment où vous sélectionnez une boisson en particulier, vous faites une préférence, vous choisissez quelque chose qui n'est pas nécessaire. Donc c'est naturel de boire, mais ce n'est pas nécessaire de boire en particulier telle boisson. Ensuite, il y a les désirs non naturels et non nécessaires. C'est-à-dire les désirs qui sont vains. Donc non naturels. Et non nécessaire. Et pour Épicure, ces désirs, ce type de désir, ce sont les désirs les plus dangereux, parce que non seulement ils ne nous permettent pas d'être heureux, mais ils nous écartent du bonheur. Donc par exemple, les désirs non naturels et non nécessaires, ça va être la richesse, la gloire, les honneurs. C'est-à-dire, ce sont des choses qui ne sont pas nécessaires à notre vie, ce ne sont pas des besoins naturels. Et ce sont des choses qui nous écartent du bonheur et donc qui risquent de nous mener au malheur. Donc pour récapituler, les désirs naturels et nécessaires, c'est par exemple simplement les choses essentielles à la vie, donc boire, manger, dormir. Les désirs naturels mais non nécessaires, ce sont des choses essentielles à la vie, mais avec une préférence. Donc par exemple, boire une boisson en particulier, manger un plat raffiné ou manger un plat que l'on aime bien. Et enfin les désirs non naturels et non nécessaires, ce sont des désirs qui non seulement ne sont pas essentiels à la vie, mais pire encore, qui nous écartent du bonheur, qui nous dirigent vers le malheur. Donc ensuite, ces trois désirs, ils nous permettent de se diriger vers des plaisirs. Et Épicure, il fait la distinction entre deux types de plaisirs, les plaisirs en mouvement et les plaisirs en repos. Donc deux types de plaisirs, mouvement et repos. mouvement Repos. Donc, l'autre nom pour ces plaisirs en mouvement et les plaisirs en repos, il appelle ça également des plaisirs cinétiques, donc en mouvement, on peut penser par exemple au cinéma, c'est une image qui bouge, ou les plaisirs en repos, les plaisirs catastématiques. Donc, les plaisirs qui ne bougent pas. Donc, les plaisirs en mouvement, les désirs qui sont les moins désirables. Ce sont euh, ceux qui nous apportent du plaisir, mais qui ne permettent pas d'être dans un état de tranquillité absolue. En revanche, les plaisirs en repos, ce sont des plaisirs qui nous permettent de se diriger vers l'atharaxie. Donc, l'atharaxie, c'est un concept que l'on a déjà vu avec les stoïciens. L'atharaxie, ça veut dire la tranquillité de l'âme. Ça veut dire l'absence de trouble, d'inquiétude, d'agitation de l'âme. C'est ça qu'il faut rechercher pour le sage, que ce soit pour les stoïciens ou pour les épicuriens. Et donc, on le voit, avec ces trois désirs et ces deux plaisirs, ça nous fournit vraiment une sorte de trame, une sorte de guide pour vivre la vie la plus sage possible, la plus ordonnée, et celle qui nous permet de se diriger le plus vers finalement le bonheur. Et donc, on le voit, l'épicurisme, c'est une doctrine finalement qui n'est pas très très loin, qui n'est pas très très éloignée du stoïcisme. Généralement, on fait vraiment la distinction entre l'épicurisme et le stoïcisme en disant que l'épicurisme c'est une sorte de doctrine du bon vivant, de celui qui aime bien manger, Bien vivre, etc. Alors qu'en réalité, l'épicurisme, c'est une doctrine qui est beaucoup plus austère qu'on pourrait le croire, puisque, en définitive, le sage épicurien peut vivre très très simplement, avec simplement donc les plaisirs, les désirs naturels et nécessaires. C'est-à-dire, au, au minimum, il pourrait vivre par exemple avec du lait caillé ou un crouton de pain. C'est vraiment le minimum requis pour vivre, sans aucune préférence pour une boisson en particulier ou un aliment en particulier, vous voyez c'est ce qui lui permet de, de survivre. Le, sta, le sage épicurien, en survivant de cette manière, il peut être heureux, parce qu'il sait faire la distinction entre ce qui est naturel et nécessaire, naturel et non nécessaire, et donc le pire des désirs, le, naturel, le non naturel et le non nécessaire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura permis d'un peu mieux comprendre la doctrine d'Épicure concernant le bonheur.